Jose Judny Honoré, sorti premier lauréat deuxième édition concours Lecti, Pepa Education et Jeunes Citap organisé à Nissa en baptême 1001 voix. Concours ça qui était lancé depuis mois mars, fini 6 juin 2021, côté 6 monde qui était arrivé dans la phase finale affronté en face yon jury qui désire lauréat principal concours. Organisateur principal concours ça, Géraldine Pépé, qui c'est une jeune fille qui vit dans la commune Cité Soleil, montre l'importance yon concours qu'on a gagné pour la jeunesse haïtienne. Nan. Puisque nous connaissons l'eau en pile, ça permet de recharger timidité, ça développer connaissance. Et nous avons gardé la jeunesse haïtienne en déclin. Chaque jour, il a perdu valeur. Et nous disons, nous pour ça, nous pas faire un concours côté que nous encourager les jeunes qui remet li. Et là, nous avons des jeunes qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, et qui viennent passer à direction au concours. C'est avec plaisir que l'autre petit jeune pareil a pris une place li. Et comme ça, nous allons encourager les jeunes pour participer. Le grand message pour les jeunes, c'est lecture. Parce que je ne vais pas aucun autre message. Puisque nous connaissons force lecture, Jean que chef Jose te dit, dans le discours, nous connaissons lecture, c'est une force. Et si on en pile, il a grandi, ça a développé la capacité. Puisque nous connaissons Haïti, c'est pour nous ne pas abandonner Haïti. Et Jean-Lié, il faut que nous goûmes. Et un facteur qui a aidé nous goûmer, c'est lecture. Parce que plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous sage, plus vous maîtrisez. PDG Pepa Education Agency a quoi Lecti c'est un moyen qui permet moun augmenter connaissance yo li profiter occasion pour remercier tout le monde qui t'a collaboré pour réussir concours pendant li souhaite joindre plus accompagnement pour 3e édition. Nous connais les bagages facile pour faire des bagages éducatifs en Haïti. Pa gen partenaire qui veut encourager nous et nous déposer. Nous aussi avec des amis qui aider nous dans une façon bien l'autre pour nous arriver combler vidéo et réussi avec ça. Deuxième édition qui porte yon qui grand envergure. Moi j'espère dans troisième édition nous va avoir des partenaires qui a encouragé nous et les ça premier beaucoup plus. Premier lauréat concours dit li satisfait pour ensemble sacrifice li te fait qui permet li remporter premier prix a. Pendant li remercier tout le monde qui t'a supporté dans chaque phase yo. C'est pas dans mon tab. Nous on chaté avec quelques amis et puis moi j'étais tombé sur flyers concours. C'est sur WhatsApp et puis moi j'étais tout choisi inscrit là-dedans. Moi lis souvent. Donc c'est ça qui fait que moi j'ai trouvé que là bon pour continuer à pratiquer activité ça qui sélectif et moi j'ai choisi participer. Genre activité ça c'est pas tout le monde qui organise ou encore nous pas jeune trop. Donc une activité comme ça c'est une activité pour pas prendre à la légère qui est capable aider les jeunes à avancer. Et puis tout qui a permis qu'ils performent et évoluent. Deuxième lauréat concours, Wendy Etienne, lui-même tout montré satisfaction, lui, même s'il était souhaité remporter première place là. Jeune fille, qui a étudié communication sociale dans l'Université de l'État, dans la faculté sciences humaines, remercie l'organisateur et puis souhaite gagner l'autre monde qui prend genre initiative ça yo. Dans l'intérêt jeunesse pays. Nous sommes monde comme petit qui aime concours parce que ça n'est pas le premier concours pour participer là-dedans, pour participer dans le concours texte, plaidoirie, génie, etc. Participation ça, c'est parce que mon cousin même, maman, alors qui toujours voué message là sur groupe là, moi même pas de Facebook, c'est pas WhatsApp que voué le bon moi. Toujours voué message sur groupe moi là-dedans, donc c'est ça qui fait moi participer. À force que la vie insister sur ça, moi dit bon, pourquoi pas et puis puisque c'est lecture, c'est mon bam, moi dit m'a participer. C'est pas la bonne d'ailleurs qui a venu pays là. Ni c'est pas comme si passer plusieurs temps dans le téléphone qui s'est avenu pays. C'est qu'un bel livre, c'est acquis reconnaissance et puis c'est ville leader de demain. Parce que changement haïtien, c'est pas jeune qui l'a commencé. Parce que c'est nous-mêmes qui fleurons pays. Donc si nous pas formés, si nous pas éduqués tête nous, comment changement ça pourrait être possible? Nous avons toujours un pays de gang gauche. J'ai eu qu'on dit là. Donc je pense que c'est une initiative qui est très noble. Et puis il faut que tu aies plusieurs. L'autre monde qui entreprend tâche ça. Germani Fiefie, troisième lauréat concours, dit c'est à Campil plaisir de participer dans la deuxième édition. Là, bien pour continuer de travailler avec l'agence là, pour capable permettre plus de monde participer dans la troisième édition. C'est un travail que moi j'aime faire, c'est lui. Donc, automatiquement, moi, ouais, affiche là, je me dis, faut que je participe. Malgré tout obstacle, tout ça qui t'a empêché, moi, j'ai fait tout ça possible de moi-même pour moi. Pour moi, j'étais capable d'une six finalistes. Donc, moi-même personnellement, moi, son agent de promotion de la lecture, que ce soit via post que je toujours fais sur les réseaux sociaux, moi, toujours à sensibiliser principalement jeunes, adolescents, pour lire et puis parents, pour inviter Timounio, encourager Timounio à lire. Par exemple, vous acheter un livre, vous mettez là, mais si vous ne pouvez pas lire, vous n'avez pas besoin de l'amour pour lecture vraiment. Donc, c'est parents qui pour des modèles.
pour inspirer timoun yo afin les jeunes pour gagner de l'amour avec attitude dans la caillou. Moi je dis principalement PDG qui c'est madame Géraldine Pépé, yon gros merci et moi profiter d'il publiquement tout que lycée en femme vaillante, une femme qui définition succès même malgré tout obstacle, il toujours là, toujours bon plan B. Les autres plan B pas marcher, il toujours songer reste vocabulaire et reste alphabet pour lui faire atteindre l'objectif. Jose Judny Honoré, premier lauréat concours, c'est étudiant dans la faculté INAGE, action humaine en dans l'université l'État. Dans le jour qu'a venu, il a bien poussé un contrat comme principal ambassadeur de PIPA Education Agency dans l'idée pour continuer de travailler dans le cadre de renforcement de travail agence l'agence fait dans le pays.